président du FASO est rentré ce soir de Rome. Rochmartrista Kabore a eu un entretien positif avec le souverain pontife qui a accepté l'invitation à venir au Burkina Faso. Au Vatican également, une messe d'action de grâce à Dieu pour le Burkina Faso a été célébrée ce matin. Un coup de force contre les institutions de la République, voilà ce qui entoure les récents événements sur le plan sécuritaire au Burkina Faso. Un coup d'État déjoué selon le ministre en charge de la sécurité intérieure qui a donné l'information ce vendredi. Voilà pour la une de ce journal. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, le président du FASO est rentré de Rome ce soir même. Au Vatican, Rochmartrista Kabore a eu une séance de travail avec le pape François et on apprend que le souverain pontife a accepté l'invitation du Burkina Faso. À Rome, le président du FASO a également rencontré plusieurs autres personnalités. On l'écoute au micro de Yacouba Gamene et Sanoua Christine Koulibaly. Ça a été une mission qui s'est déroulée avec beaucoup de succès. Et beaucoup de succès parce que non seulement nous avons eu l'opportunité de faire à sa sainteté le point sur la situation de notre pays, et les difficultés que nous rencontrons, les défis que nous avons à relever et la nécessité pour nous également de conforter les relations d'État à État entre le Vatican et le Burkina Faso. Ça a été également l'opportunité pour nous que sa sainteté touche du doigt la réalité du dialogue des religions dans notre pays. Parce que nous avons montré que si le Burkina Faso se relève chaque fois des difficultés que nous rencontrons, c'est grâce également à ces communautés qui, dans leur prière, dans leur engagement pour la paix, ne jamais reculé et se sont toujours battus pour la paix au Burkina Faso. Nous avons par ailleurs, après sa sainteté, rencontré le secrétaire d'État du Vatican qui joue en même temps le rôle, je dirais, de premier ministre. Et nous avons discuté de la nécessité de mettre en place un cadre de coopération entre le Vatican et le Burkina Faso, étant entendu, comme vous le savez, que la fondation Jean-Paul II, qui est une fondation qui s'occupe du pays du Sahel, a son siège au Burkina Faso. L'OCADES, qui agit également, travaille aussi bien dans le social, dans les aspects de santé et dans l'éducation. Nous avons salué donc ce dynamisme, en tout cas de l'Église catholique, dans ces différents secteurs que nous avons cités. Ça a été l'occasion pour nous également de rencontrer la fraternité ecclésiale des Burkinabés de Rome, qui est composée de frères, de sœurs, et de pouvoir saluer également certains Burkinabés qui travaillent au Vatican, l'un comme secrétaire d'État, et l'autre travaille également à la communication du Vatican, ce qui montre bien le dynamisme, je dirais, de ses frères et de ses abbés, en tout cas au niveau également du Vatican. Nous avons eu l'occasion de faire le point de la situation également avec eux au Burkina Faso et en tout cas de recueillir également leurs recommandations et leurs leçons qu'ils tirent également et propositions. Et nous avons invité formellement sa sainteté, évidemment, a trouvé que nous avons joint la parole à l'acte, parce que non seulement nous l'avons invité verbalement, mais nous avons préparé nos lettres d'invitation que nous avons remises séance tenante. Il a accepté l'invitation, mais vous savez très bien que c'est un homme qui a beaucoup de missions à travers le monde, mais il s'est engagé en tout cas à regarder dans son calendrier quand est-ce que cela serait possible qu'ils viennent donc nous rendre une visite donc au Burkina Faso. Donc l'invitation est acceptée. Maintenant, il s'agit qu'il puisse voir dans son calendrier.
Et puis, à la fin de sa mission à Rome, le président du Faso a assisté à une messe d'action de grâce à Dieu pour le Burkina Faso. Cette messe a été célébrée ce matin à la chapelle Notre-Dame de l'Assomption de la Basilique Saint-Pierre au Vatican. Une messe dirigée par le cardinal Philippe Ouédraogo en présence de la communauté ecclésiale de Burkinabé vivant à Rome. On voit cela avec nos envoyés spéciaux Yacouba Gamene et Marguerite Adouaniou. À la chapelle Notre-Dame de l'Assomption du Vatican, la messe de ce matin est dite à l'intention du Burkina. La prière est dédiée à la paix au Faso, un moment religieux apprécié par les fidèles catholiques. C'est une excellente initiative que les plus hautes autorités qui sont en mission pensent encore à se retourner vers le Très-Haut pour confier leurs actions. C'est un acte d'humilité, c'est un acte de foi qui montre à quel point ceux qui sont au-devant vraiment de notre pays ont à cœur de bien conduire ce pays-là. Et c'est un moment aussi qui nous rappelle qu'au-delà de toutes les responsabilités, nous restons des hommes, nous restons avec toutes nos bonnes intentions vraiment des hommes et nous avons toujours besoin de notre Dieu, quelles que soient nos religions d'origine. Le cardinal Philippe Ouédraogo, qui a célébré cette Eucharistie en action de grâce à Dieu pour la visite du président du Faso, Rochmar Christian Kabore au Vatican, a également salué, une fois de plus, la présence des communautés religieuses à la mission présidentielle et à la célébration eucharistique. Il a insisté sur le fait que la paix soit un don de Dieu et invité les Burkinabés à œuvrer main dans la main pour une paix durable et la cohésion sociale au pays des hommes intègres. De la paix, les Burkinabés en ont effectivement besoin au regard du contexte sécuritaire actuel. On apprend qu'un coup d'État a été déjoué ces derniers temps au Burkina Faso. L'information émane du ministère en charge de la sécurité. L'affaire du pont Nassino avec les soldats de l'ex-RSP, l'attaque perpétrée à Intagom et les autres récents faits d'insécurité ont justement un lien avec ce coup d'État déjoué. Le ministre d'État Simon Compaoré a animé une conférence de presse ce matin pour donner toutes ces informations. Rocher Kam, Frédéric Etienne Bassenga. Les 4 SRSP interceptés au poste de gendarmerie de Nassino faisaient partie d'un vaste complot dont l'objectif était la déstabilisation des institutions de la République et la prise du pouvoir par la force des armes. Les objectifs de ce groupe d'environ 30 hommes, composés essentiellement de sous-officiers et de militaires de rang de l'ex-RSP, étaient, premièrement, attaquer la caserne de la gendarmerie à Ouagadougou. Deuxièmement, attaquer la maison d'arrêt et de correction des armées Maka pour libérer les détenus. Troisièmement, séquestrer certaines autorités. Quatrièmement, s'attaquer à la présidence à Kossiam pour prendre le pouvoir par les armes. Avec à leur tête l'adjudant Gaston Koulibaly, ils auraient tenté, après la mort de deux hommes de leur noyau dur, un plan B qui consisterait à créer une mutinerie et un plan C, une rébellion. Dans cette affaire, 32 militaires et 10 civils ont été entendus. 19 militaires ont été déférés. Le chef Koulibaly Gaston est toujours en fuite. Ce point de presse a aussi permis de faire la lumière sur le braquage à Waïguia. Celui qui tenait la clé du véhicule abandonné dans le parc urbain Bangrewego a été arrêté. Il s'agissait d'un jeune homme caractériel désireux de rejoindre ses parents à Ouagadougou, un acte qui n'a aucune relation avec les autres attaques. Intangom était également au menu des échanges. Le chef d'état-major est revenu sur les mesures prises pour faire front efficacement contre les terroristes. Le génie est à pied d'œuvre pour poursuivre le travail de l'organisation du terrain. Il s'agit donc de mettre en place des infrastructures pour mieux sécuriser le personnel, les hommes, et aussi mettre en place des emplacements des postes de combat afin de les permettre d'être plus efficaces. Quant au village de Kéréboulé dans le Soum, les affrontements entre les Kolwego et les assaillants venus du nord ont fait 4 morts. Un détachement de l'armée est sur place depuis pour sécuriser le village.
Point de l'actualité, le gouvernement burkinabé est autorisé à ratifier la Convention sur le mercure, et ce, en vue de renforcer son cadre juridique relatif à la gestion des substances chimiques dangereuses. L'Assemblée nationale a adopté la loi irrelative hier jeudi, un autre projet de loi qui était soumis à la représentation nationale et qui a été adopté, c'est celui relatif à la création des tribunaux de travail de Dori et de Fadan Gourma. On fait le point avec Dramane Guéné. Le Burkina est maintenant parti à la Convention de Minamatan sur le mercure. Ratifiée ici à l'unanimité des députés, cette convention régule l'utilisation du mercure et autres substances chimiques nocives sur les sites miniers. Cette norme exige de remplacer les produits dangereux par le borax dans l'extraction de l'or. Il y a eu déjà une expérience avec le borax, si vous voulez, et ce produit permet non seulement d'augmenter la quantité en termes d'or obtenu, également en préservation aussi l'environnement. L'Assemblée nationale a aussi adopté la loi portant création de la cour d'appel de Fadan Gourma et celle portant création des tribunaux du travail de Dori et de Fadan Gourma. Il a été révélé que l'une des causes de l'inaccessibilité aux juridictions, c'était l'éloignement, dont l'accessibilité physique. Et la recommandation a été faite de concentrer non seulement les cours d'appel, donc c'est en réponse à cette sollicitation, à cette nécessité de créer une accessibilité physique judiciaire, que la cour d'appel de Fadan Gourma va être créée. Je puis vous rassurer que la cour d'appel de Fada, le bâtiment est déjà prêt, tout l'équipement y est, le personnel est prédispositionné, donc nous attendons que la loi soit promulguée au journal officiel et avant la fin de l'année, la cour d'appel de Fada sera ouverte. Ces différentes lois sont votées dans le cadre de la politique nationale de justice adoptée en 2010, l'objectif étant de rendre la justice plus proche des justiciables. La question des changements climatiques sera largement abordée au Maroc en novembre prochain. Et ce sera l'occasion de la COP22 où la 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Mais quels sont les enjeux de la COP22 pour un pays comme le Burkina Faso? La réponse à cette question a été donnée au cours d'une conférence organisée ce vendredi à Ouagadougou. Des précisions avec Jean Zongo et Kadi Sanogo. Cette conférence s'inscrit dans le cadre des préparatifs concernant la 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ou COP22. Une rencontre qui se tiendra à Marrakech, au Maroc, du 7 au 18 novembre prochain. Pour ce grand rendez-vous du donner et du recevoir, notre pays a choisi d'organiser une conférence autour du thème « Enjeux de la COP22 pour le Burkina Faso ». Pour le Burkina Faso, il nous sera question d'adaptation, question de financement, question d'énergie et question de sauver le Burkina Faso, en tout cas en tant que pays confronté à l'ensemble des questions liées au changement climatique. L'objectif principal était de donner plus de visibilité au niveau du Burkina à la COP22, plus de visibilité au travail énorme accompli par le département en charge, par les associations de la société civile burkinabé qui abattent un travail extrêmement important et dont le rôle pour la suite des événements sera déterminant. Pour la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, cette conférence revêt une grande importance. Le Burkina Faso, à travers sa communication, va pouvoir aussi faire sortir tous les engagements que le Burkina Faso avait déclinés dans son document et des engagements déterminés au niveau national. La COP22 est une occasion pour porter la voix des pays vulnérables face au changement climatique, en particulier celle des pays africains. Et on le sait bien, les changements climatiques sont à l'origine de catastrophes au nombre desquelles les inondations. Et par les inondations, au Burkina Faso, la commune de Komselga dans le centre est l'une des localités durement éprouvées cette année. Raison pour laquelle cette localité a été choisie pour abriter la Journée internationale de prévention des catastrophes. Cette journée a été célébrée en différé hier jeudi au Burkina Faso. Souleymane Sanou et Maxime Zongo. Vivre pour raconter est le thème de cette journée de prévention des risques de catastrophe. Le choix de Komselga, car cette localité est l'une des communes qui a été durement éprouvée par les inondations de juillet dernier. Pour la seule année 2016, notre pays, faut-il le rappeler, a enregistré plus de 51 000 sinistrés, dont
une trentaine de pertes en vie humaine. C'est une interpellation à tous les acteurs pour qu'ensemble nous puissions effectivement être suffisamment armés pour, n'est-ce pas, affronter n'est pas cette problématique, n'est-ce pas, de lutte, de réduction n'est pas des risques de catastrophe. Cette initiative en faveur de la promotion d'une culture mondiale de la prévention des catastrophes est célébrée chaque année par Christian Aid et ses partenaires. Pour la présente édition, l'honneur est revenu au réseau MARP d'organiser la manifestation avec l'appui des membres du réseau national de plaidoyer et le CONASUR. Nous voulions témoigner aux sinistrés la compassion et le soutien des organisations internationales, des organisations locales et du réseau de plaidoyer pour la réduction des risques de catastrophe que nous appuyons et nous accompagnons techniquement et financièrement. Nous avons interpellé l'État, s'appuyant donc sur les conventions que l'État a signées au niveau international, interpeller l'État sur la responsabilité donc, qu'il a. Au programme, une série de témoignages, d'expositions, d'interpellations pour une synergie d'action et de mobilisation afin de réduire considérablement le fléau. Autre point de l'actualité, les avocats du Burkina Faso souhaitent assister leurs clients dès leur interpellation et pendant l'enquête préliminaire. Ils ont émis ce vœu à l'occasion de la première session de leur université judiciaire. Cette session s'est tenue ce vendredi à Ouagadougou. En plus des avocats, ce cadre a regroupé les représentants de toute la chaîne judiciaire. Le reportage de Souleymane Sanou et Nyarki Teda. Avocats, magistrats et officiers de police judiciaire cogitent ici pour trouver une formule commune devant permettre au barreau burkinabé d'assister les clients dès l'interpellation. C'est une directive de l'UMOA pour harmoniser les règles qui régissent la profession de l'avocat dans l'espace. Et à cette université judiciaire, la crème de la justice va proposer des instruments en faveur de la présence de l'avocat en enquête préliminaire. Nous avons des jurisprudences sur la question, nous avons donc des instruments qui nous permettent de faire des propositions, de mettre à la disposition du ministère des instruments qui leur permettent, eux, à leur tour, de donner des directives. La présence de l'avocat pendant l'enquête policière a toujours suscité beaucoup de questionnements au sein des acteurs. Selon le ministre en charge de la justice, cette rencontre devrait justement permettre de trouver des réponses en vue de mettre fin à la controverse. L'interprétation n'est pas encore uniforme. Et cette université qui regroupe et des avocats et des magistrats et des officiers de police judiciaire va permettre de discuter, que chacun donne son interprétation, ce qui va permettre de mettre les conclusions à la disposition du ministère de la Justice. Pour mieux comprendre les enjeux, les participants auront droit à des exposés des spécialistes issus des hautes cours de juridiction et du monde universitaire. Ils ont également à se familiariser avec l'expérience des autres pays où la présence de l'avocat en enquête préliminaire est déjà effective. Dans l'actualité également, on parle encore de la CAMEG, la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques. Après les sorties des avocats des deux parties, c'est le directeur général mis en cause qui sort de son silence. Outre la crise qui prévaut dans la structure, Jean Chrysostome Kadeba a évoqué les efforts et l'implication de la CAMEG dans la mise en œuvre de la gratuité des soins au Burkina Faso. Il a animé une conférence de presse ce vendredi. Amado Ilboudo, Monkoun Dabiri. La CAMEG, la centrale des médicaments essentiels génériques, se porte bien. C'est l'assurance donnée à la presse par son directeur général, Jean Chrysostome Kadeba. La structure dit s'adapter au niveau qu'on teste de gratuité avec des taux de satisfaction de 70%. Même s'il y a des stocks dans les magasins, nous savons que nous avons encore d'autres obligations parce que si une seule molécule manque, pour nous, en tant que techniciens, ça doit être un problème pour nous et nous devons travailler à résoudre, à chercher à résoudre la situation. Malgré la crise, la CAMEG a atteint plus de 85% de ses ventes ordinaires, selon ses responsables. Mieux, la centrale bénéficie encore de la confiance de ses partenaires, insiste-t-il. Le seul problème, selon le docteur Kadeba, est celui lié au retard des paiements. L'homme estime à près de 14 milliards de francs CFA les créances de la CAMEG, dont plus de 11 milliards de francs CFA pour l'État et ses démembrements. Toutefois, précise le DG, la structure dispose à ce jour
d'un stock en médicaments de plus de 17 milliards de francs CFA dans ses magasins. Sur la question relative au litige qu'il oppose au ministre de la Santé, Chrysostom Kadeba se veut clair. Aujourd'hui, si la décision de la justice s'impose à moi, je suis un citoyen comme les autres Burkinabés, comme tout autre, et je me sentirai obligé de la respecter. Le DG dit être conscient du coût que porte la crise sur la répercussion de cette structure qu'il présente comme une référence en Afrique. Il dit souhaiter que de cette crise, seul l'intérêt des malades triomphe. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique organise depuis ce matin des journées de réflexion. Une réflexion sur le devenir du Trésor public en rapport avec les préoccupations majeures actuelles. Et comme préoccupation majeure, il y a la gestion des ressources humaines au niveau du Trésor. La rencontre réunit le personnel de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Roger Kam, Estelle Judith Assorba. Les agents du Trésor et de la comptabilité publique marquent un arrêt, le temps d'une profonde réflexion afin de se projeter dans l'avenir. Cette réflexion, ils l'ont axée sur la thématique, la problématique de la gestion des ressources humaines au Trésor public. Il s'agit ainsi pour cette administration d'explorer de nouvelles solutions pour une meilleure performance de son personnel. L'enjeu vraiment de cette rencontre, c'est de nous accorder sur ce que nous allons faire, sur comment nous allons nous organiser pour mieux réussir nos missions, pour faire face aux défis qui sont les nôtres, qui sont des défis de mobilisation des ressources, qui sont des défis de gestion de la trésorerie, qui sont des défis de tenue de la comptabilité. Toutes les catégories de personnes exerçant au sein des structures centrales et déconcentrées prennent part à cette rencontre. Et dans le but d'aborder le thème central dans tous ses contours, ces agents vont s'apesantir sur les sous-thèmes, la gestion de la carrière, la motivation des agents, le management et enfin la formation et les outils de gestion des ressources humaines. Le trésor public aussi, c'est la gestion des deniers publics. Nous sommes dans un contexte d'insécurité. Qu'est-ce qu'ils cherchent ces délinquants? Tout le monde sait ce qu'ils cherchent, donc il y a des questions de sécurisation. Mais il y a aussi, par moment, réfléchir à notre statut qui est assez particulier au regard donc des obligations, des responsabilités personnelles et pécuniaires qui nous incombent. Cela fait 21 ans que ces journées de réflexion du Trésor ont été instituées. Pour ces présentes journées, il est attendu des propositions pertinentes allant dans le sens de plus de professionnalisme et d'engagement du personnel au travail. Une mission conjointe de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement a effectué une visite sur le pôle. Objectif à constater les travaux d'aménagement et de sauvegarde environnementale et sociale sur ce site. Des travaux qui vont nécessiter le déplacement de centaines de personnes et ce sont des personnes qu'il faut indemniser et pour qui il faut réaliser des infrastructures socio-économiques. On fait le point avec Issa Kafando et Adama Koulibaly. Dans le cadre du projet d'aménagement de Bagré-Polo, 2194 hectares seront réalisés ici sur la rive droite du fleuve Nakambe pour les populations et les producteurs privés. La mission conjointe de supervision de la BAD et de la Banque mondiale est sur le terrain pour constater le début des travaux. Par contre, les aménagements de la rive gauche portant sur 2582 hectares sont déjà en cours, avec notamment la réalisation du canal primaire qui est à un stade avancé. Plusieurs centaines de personnes seront réinstallées dans le cadre de ce projet. Des infrastructures socio-économiques et des activités génératrices de revenus pour les femmes sont prévues. Mais déjà, des fourrages ont été réalisés et cette école de 6 classes en attend d'être achevée. Cependant, quelques problèmes subsistent au niveau des indemnisations. C'est une majorité. Ils ont gagné l'argent des arbres. Les autres qui ont laissé, ils n'ont pas encore gagné. Ce qu'ils laissent à faire là, c'est... Nous, les autres qui ont gagné leur argent, les autres qui n'ont pas encore gagné leur argent, nous, vu que Bagré-Polo le fait tout possible pour donner leur argent, ceux qui n'ont pas encore gagné, pour qu'ils travaillent, à un moment que le lotissement va finir, tout le monde, ils ont enrichi leur argent pour que le travail puisse continuer vite, vite. Pour la mission, des efforts doivent être faits pour respecter les délais d'exécution des réalisations et pour les indemnisations et autres questions,
des solutions seront envisagées. Il y a évidemment quelques préoccupations qui vont être traitées dans le cadre donc des échanges avec Bagrépol, mais je pense que de façon globale, donc, on est dans un stade avancé de mise en œuvre de ce processus. Les populations affectées, les communautés d'accueil dans les localités de Biré, Tangari ou encore Guirmogo attendent beaucoup de ce projet qui devrait améliorer leurs conditions de vie. On reste à Bagré où la commercialisation du riz devrait prendre un nouvel élan. Le riz produit sur le site du pôle de croissance de Bagré connaît jusque-là des difficultés d'écoulement. Une campagne de promotion pour la commercialisation de ce riz a donc été lancée ce vendredi. Cette campagne va s'étendre jusqu'en janvier 2017 et elle a été initiée par la maison de l'entreprise et Bagré Pôle. Issa Kafando, Adama Koulibaly. Par ces signatures, ces structures viennent ainsi chacune d'acquérir une tonne de riz de Bagré dans le cadre de la campagne de promotion pour une meilleure commercialisation de ce riz. Le riz de Bagré connaît une mévente malgré ses valeurs nutritives, notamment le zinc, le fer et autres vitamines attestées par des études de l'INERA. Le coût élevé de ce produit qui ne serait pas toujours exact selon le responsable de Bagré Pôle est l'une des raisons évoquées dans cette situation. Il ne faut pas oublier qu'il y a des facteurs de production qui sont là, qui sont relativement chers. C'est ça qui fait que le riz rendu, en fait, est inaccessible peut-être ou cher selon les uns. Mais je vous dirais que comparativement à la qualité de ce riz, il est vraiment de belle facture et il est meilleur en termes de nutriments par rapport au riz qui est importé. La maison de l'entreprise et les partenaires que sont la Banque mondiale et la BAD veulent à travers cette campagne susciter la consommation du riz de Bagré par les populations en vue de contribuer au développement de ce secteur. Il s'agit donc aujourd'hui de voir comment effectivement les différents partenaires techniques et financiers, les acteurs qui sont directement, qui œuvrent au niveau de Pôle de Bagré, comment faire pour effectivement donc permettre un bon écoulement donc de ce produit, comment faire pour accélérer, améliorer la commercialisation effectivement donc du riz de Bagré afin que véritablement et ce produit-là soit accepté par les populations dans nos habitudes alimentaires. Et dans le cadre de cette campagne, plusieurs outils ont été développés, dont une application qui permet de lister les points de vente, de les géolocaliser avec les coordonnées des distributeurs pour les rapprocher des consommateurs. En actualité culturelle, la 4e journée de promotion des industries culturelles et créatives ont débuté hier dans la capitale burkinabé. Cet événement vise à améliorer la compétitivité des industries culturelles et créatives du Burkina Faso. Des journées portes ouvertes et des communications sur l'entrepreneuriat culturel sont au menu de cet événement. Plus de précisions avec Amadou Ilboudo et Aruna Marie. Faire des industries culturelles des leviers de croissance en phase avec le plan national de développement économique et social du Burkina Faso, c'est l'ambition du département de la culture, des arts et du tourisme à travers sa direction de promotion des industries culturelles et créatives. À cette 4e édition de journée de promotion des industries culturelles et créatives, les acteurs veulent cerner des opportunités en matière d'entrepreneuriat dans le domaine de la culture. Il y a environ 1,8% donc d'hommes et femmes qui travaillent dans le secteur, ce qui veut dire qu'il y a une grosse opportunité que l'on peut trouver en ce sens. On travaille donc pour que cette édition-là soit l'occasion de formation, de professionnalisation davantage dans de ce secteur. Pour les professionnels de la culture, la création du Fonds de développement culturel et touristique pourrait contribuer à imprimer une dynamique nouvelle aux industries culturelles. Je pense que le gouvernement, en créant le Fonds de développement culturel et touristique, tente de combler ce vide et permettre aux entreprises culturelles et créatives d'accéder à des financements pour financer leurs activités et participer à la vie économique de ce pays. Les travaux vont s'étaler sur 3 jours. 2 communications relatives à l'entrepreneuriat culturel et les dispositifs de soutien aux entreprises culturelles figurent au programme. Autre activité, les journées portes ouvertes des entreprises culturelles au Sénaza. Retour au Burkina Faso où la Ligue des consommateurs dénonce des pratiques frauduleuses dans les centres de santé, de même que la circulation de produits périmés. Et c'est ce qui nous apprend, entre autres, les parutions de ce vendredi. La revue de presse est avec Abdoul Rasmane Zongo. La Ligue des consommateurs affiche le journal Le Pays, tape du poing sur la table en dénonçant ce qu'elle qualifie de pratiques frauduleuses dans les CSPS. Et ce n'est pas tout.
Elle jette aussi un doigt accusateur sur la circulation quotidienne de produits périmés ou frauduleux et enfin fixe l'attention sur une éventuelle augmentation du prix du pain en vue. Conséquence, la Ligue demande le vote de la loi sur le droit du consommateur afin de le protéger. Sidoya, pour sa part, fait un peu de pédagogie avec les parents, dont certains pensent que leur rôle se limite simplement à payer les frais de scolarité et un moyen de déplacement à un élève. Erreur, avertit le quotidien d'État, car, je cite, « il faut aussi échanger avec l'élève pour savoir ce qu'il a fait de sa journée de classe, regarder ses cahiers, vérifier qu'il suit les cours, traite les exercices, entre autres, et se rendre dans son établissement. Cela a le mérite, poursuit le journal, d'avoir une idée claire sur les vrais résultats et le comportement de l'enfant à l'école. Les taximans, eux, étaient en sitting ce 20 octobre. Ils souhaitent rapporter aujourd'hui au FASO encore le report de la date butoir en 2017. Une situation que l'OPS qualifie de choix corlénien, car en effet, respecter la date du 30 octobre, c'est aller au chômage pour beaucoup d'entre eux non encore prêts à l'abandon de l'usage du gaz butane. Rejeter aussi l'ultimatum, c'est également s'exposer à la loi bien connue d'avance. Et c'est la fin de cette édition sur la RTB. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.